us. Hello, ladies and gentlemen. Welcome back. Please take your seats as we're about to begin. This afternoon will be spent in French, so if you need your headsets, please go ahead and take your headsets from the main entrance. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Je vais donc poursuivre en français. J'espère que vous êtes bien reposés. Vous avez pris le temps de bien manger, de venir en forme pour cette très belle après-midi que nous allons passer ensemble et poursuivre donc en français. Trois belles sessions qui nous attendent sur des thématiques différentes. Nous allons, dans un petit moment, commencer par de la physique et on passera aux humanités pour finir avec de la gastronomie. On poursuit notre voyage comme ça sur les différents aspects de la transition. Et la première intervention, en fait, s'intitule « Vision de l'univers en transition ». Nous allons écouter, mesdames et messieurs, c'est un grand privilège, nous allons écouter l'un des plus grands physiciens au monde, je pourrais dire, mais qui, à la base, est mathématicien. C'est lui qui a découvert dans les années 1970 les trous noirs, avant tout le monde. Mais il ne les a pas découverts en les observant. Il les a découverts par ses calculs mathématiques. Et c'est 40 ans plus tard, 40 ans, qu'on a pu observer ce qu'il a prévu mathématiquement. Donc autant vous dire que c'est un grand privilège de l'avoir parmi nous cet après-midi et c'est une grande chance de l'écouter directement. Je vous remercie d'accueillir sur scène Monsieur Jean-Pierre Luminet. Bienvenue à vous, Monsieur Luminet. C'est un grand plaisir de vous avoir. Je ne sais pas si vous préférez être au pupitre ou installé. Faites comme vous vous sentez le mieux. Nous allons d'abord vous écouter, écouter votre présentation, puis nous reviendrons pour prendre des questions du public. Merci, Manal, pour cette bien aimable présentation. Et merci à vous d'être venus nombreux. Je ne vous parlerai pas des trous noirs. Je parlerai effectivement en français en tant que fervent défenseur de la langue française et de la francophonie dans le monde. Mais j'ai fait une concession tout de même à la langue dominante de l'Empire en présentant mes diapositives en langue anglaise. Donc dans la thématique, je suis absolument subjugué depuis que je suis arrivé ici, hier soir, de découvrir ce lieu extraordinaire dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire ça permet de faire défiler ? D'accord, merci. Absolument émerveillé par cet lieu absolument exceptionnel qui ne va pouvoir que se développer dans la suite et organiser des choses absolument formidables pour améliorer notre rapport au monde. Alors sur la thématique des transitions, je vais m'en tenir à l'un de mes domaines spécialisés qui concerne en fait l'évolution des sciences de la matière et des sciences de l'univers. Donc j'ai intitulé mon intervention « From Classical Universe to Quantum Space-Time », de l'univers classique à l'espace-temps quantique, qui est peut-être la transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une transition encore en cours et non achevée, qui ne sera d'ailleurs peut-être jamais achevée, mais ça j'en dirai à la fin, pour nous apporter peut-être de nouvelles vues sur l'univers. Donc brièvement, il y aura quatre parties. La première sera une sorte de petit rappel épistémologique sur ce que l'on appelle les changements de paradigme et les révolutions scientifiques. Et je brasserai donc un bref panorama dans la deuxième partie, en prenant le cas spécial, le cas particulier des sciences de la matière et de l'univers, en rappelant les trois grands changements de paradigme et donc de transition que nous avons connus jusqu'au XXIe siècle. Après, j'enchaînerai précisément avec une quatrième possible transition, changement de paradigme qui est peut-être en cours de construction, qui concerne les théories de gravitation quantique sur lesquelles je travaille désormais, après avoir longtemps travaillé effectivement sur les trous noirs, comme ça a été aimablement rappelé, et puis sur la cosmologie. Et pour finir, je décrirai très rapidement quelques approches possibles sur cette vision d'un espace-temps
quantique. Alors je rappelle que le terme de paradigme vient d'un mot grec, paradigma, qui signifie tout simplement modèle. Donc le paradigme, c'est quoi ? Ben, en fait, c'est un système largement accepté, c'est-à-dire qui fait consensus, un système de représentation du monde dans un domaine particulier, parce que tous les domaines de la pensée, de l'activité humaine présentent leur propre paradigme. Voilà. Et donc un paradigme, ça fournit une vision provisoirement cohérente du monde, parce qu'il est bien entendu qu'il n'y aura jamais de vision définitive du monde. Bien. Alors le paradigme a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça définit des problèmes et des méthodes légitimes à utiliser, et donc ça rend d'une certaine manière le travail, un mode de pensée, un mode de travail effectif, puisque ça fournit un langage commun pour promouvoir et disséminer à travers la communauté concernée des idées et canaliser les recherches. Alors il faut bien préciser qu'il n'y a pas de paradigme universel, heureusement, puisque les paradigmes tendent à différer selon les activités, les groupes sociaux, les groupes professionnels, etc. Et puis surtout que les paradigmes sont amenés à changer au cours du temps, à mesure évidemment que ce qu'on appelle le savoir entre guillemets évolue. Et c'est particulièrement vrai avec l'exemple que je donnerai sur les paradigmes concernant les sciences de l'univers. Donc voici vraiment, c'était un rappel vraiment basique. Alors, vous connaissez sans doute un ouvrage majeur de l'épistémologue et philosophe des sciences Thomas Kuhn, qui a publié dans les années 1960 cet ouvrage, Structure of Scientific Revolutions, la structure des révolutions scientifiques. On peut en analyser, on en a parlé ce matin avec Raphaël Liogier dans une table ronde très intéressante, sur le fait que l'idée de transition mélange à la fois du continu et du discontinu. Et ce qu'explique très bien Thomas Kuhn, c'est que il y a des périodes calmes, on peut appeler ça une période calme, durant laquelle un paradigme donné est accepté, globalement, pas universellement bien entendu, mais accepté par presque partout, donc par presque la communauté concernée, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un consensus. Voilà. Le problème, c'est que la recherche, donc, dans ce paradigme-là, ne fait que nourrir le consensus existant. Et à la longue, il finit par bloquer éventuellement les nouvelles idées qui peuvent émerger. Donc, dans ce paradigme-là, qui peut durer très longtemps, comme on va le voir dans les exemples que je vais donner, on a une évolution continue. Après, il y a des shortcomings, c'est-à-dire qui peuvent être de nature expérimentale, c'est-à-dire une observation, une expérience physique, une observation astronomique qui contredit le paradigme. Exemple classique, les premières observations à la lunette astronomique de Galilée qui contredit le paradigme aristotélicien. Il peut y avoir également des contradictions de nature purement théorique, lorsque par exemple on découvre à la 19e siècle, avec la théorie de l'électromagnétisme, qu'il y a une vitesse limite absolue, la vitesse de la lumière dans le vide, qui est finie et non pas infinie. Or, l'interaction gravitationnelle proposée par Newton est censée se propager à vitesse infinie, donc il y a effectivement une rupture. Et donc, cela peut conduire effectivement à des changements de paradigme et des transitions, et qui sont éventuellement brutaux par rapport évidemment à l'évolution continue. Donc on a des évolutions discontinues et c'est là où on peut avoir une révolution scientifique. Et cette révolution scientifique a évidemment une influence sur ce qu'on peut appeler une vision globale du monde. Alors je vais prendre très rapidement le cas particulier donc des sciences de la matière et de l'univers. Essentiellement trois grands changements de paradigme. On passe de ce qu'on peut appeler la pensée mythique, dont on trouve des exemples extraordinaires, notamment chez Homère et chez Hésiode, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, au début de la pensée rationnelle qui commence à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce. Je me contenterai du bassin occidental. On peut parler de l'évolution des sciences, puisque, bon, évidemment, il y a une longue histoire également des sciences en Chine et d'autres pays. Donc la pensée rationnelle qui commence avec l'école des philosophes de Milet, autour de Thalès de Milet, Anaximandre et d'autres, et puis évidemment l'école aristotélicienne, Platon, Aristote, etc. Voilà.
qui fait le pari que l'homme n'est pas le jouet de la volonté des dieux, comme on peut le lire dans la Théogonie d'Hésiode. Vous savez, quand on relit l'Iliade, on s'aperçoit finalement que les aventures qui arrivent aux héros de l'Iliade, ils n'ont pas le libre arbitre, parce qu'en fait, ce sont les dieux tutélaires qui les gouvernent, qui vont décider de telle et telle action. Voilà. Donc il y a un pari extraordinaire qui est fait à cette époque-là, donc également dans l'école pythagoricienne, que l'homme doit avoir son libre arbitre. Et que le mot cosmos, qui servait précédemment à décrire la beauté et l'organisation, peut être appliqué à la description de l'univers en faisant appel au nombre, à l'arithmétique, aux mathématiques et à la géométrie. Voilà. Alors ce paradigme va s'établir sur une durée de plusieurs siècles. On commence au 6e siècle avant Jésus-Christ et va finalement se cristalliser avec l'astronomie de Ptolémée au 2e siècle après Jésus-Christ. Et ce paradigme va perdurer et imprégner toute la pensée occidentale jusqu'au 16e siècle. Avec le fameux changement de paradigme sur lequel s'est essentiellement consacré d'ailleurs Thomas Kuhn. Bon, j'ai mis ici quatre personnages emblématiques qui ont contribué à ce changement de paradigme. Copernic, Kepler, Newton, Galilée. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, pardon. Copernic, Kepler, Galilée, Newton dans l'ordre chronologique. C'est l'avènement de ce qu'on va appeler la physique classique. Alors vous voyez également une accélération sur la vitesse d'instauration de ces nouveaux paradigmes. Le précédent paradigme avait mis plusieurs siècles à s'instaurer, puis après à perdurer pendant pratiquement 15 siècles. Ce second paradigme s'est établi sur une période d'environ 150 ans, entre donc effectivement les hypothèses de Copernic et puis le couronnement par la physique de Newton. Et là encore, vu l'accélération de l'histoire, le paradigme va perdurer à peu près 200 ans. Et après, il y a ce immense changement de paradigme au début du XXe siècle, où, à peu près dans les deux, trois premières décennies du XXe siècle, on a une double révolution scientifique, la révolution einsteinienne avec les théories de la relativité, et la révolution quantique, qui va aboutir effectivement aux modèles cosmologiques actuels, les modèles de Big Bang, et qui se réalise simplement, effectivement, sur une période d'environ 25 ans. Et nous sommes aujourd'hui encore dans ce paradigme-là depuis donc un siècle. Je vous délire maintenant, c'est le sujet principal du jour, c'est qu'il est bien possible que nous soyons en cours de transition avec un possible, je dis bien possible parce que ce n'est pas encore certain, quatrième changement de paradigme, toujours dans ce domaine des sciences, de la matière et de l'univers. L'une des raisons, c'est la suivante. C'est que le paradigme précédent repose sur ces deux théories que je viens d'évoquer brièvement. La théorie de la relativité générale, théorie de la gravitation, Einstein, et puis la physique quantique, la théorie quantique des champs. Donc, pour simplifier, théorie du très grand, théorie du très petit, deux théories qui marchent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs. Mais il est clair que aucune théorie ne pouvant être complète, ces théories ont des failles. Alors, donc, chacune de ces théories est incomplète. Je dirais, dans le transparent suivant, je donnerai quelques exemples. Mais surtout, alors on peut rêver, il suffit de les unifier. Le problème, c'est que chacune d'entre elles obéit à des cadres mathématiques extrêmement différents. J'ai symbolisé de façon très très sommaire le fait que la théorie quantique des champs considère qu'il y a un cadre fixe donné a priori d'espace et de temps qui constitue une toile de fond. Fixe, et à l'intérieur, dans cette toile de fond, on met la matière et on fait interagir la matière par les interactions fondamentales. Voilà. Sauf que la gravitation n'est pas incluse justement dans cette description-là. La vision einsteinienne est tout à fait différente, représentée très symboliquement sous forme ici d'un nuage, où on a en fait une association, une liaison subtile entre l'espace, le temps, la matière, c'est-à-dire que la géométrie même de l'espace de fond est variable, dépend de son contenu matériel. Donc ces deux visions répondant à la fois à des cadres mathématiques extrêmement différents et qui ne sont pas directement conciliables entre elles. D'autant que, évidemment, recherche sur une possible inclusion de la
interaction gravitationnelle dans la façon dont on avait réussi à quantifier les trois autres interactions fondamentales ont complètement échoué. Et donc, il a fallu trouver autre chose. Alors, que nous donnent malgré tout ce qu'on appelle les modèles standards. Dans le modèle standard, donc la relativité générale einsteinienne, décrit l'univers à grande échelle gouverné par la gravité. Et donc on a en particulier, alors outre les trous noirs dont je ne parlerai pas, on a ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie. Résumé ici par ce schéma, qui montre qu'à partir d'un point qui serait éventuellement le point initial dont sortirait l'univers, comme vous voyez, au lieu de mettre un 0 ou un point, j'ai mis un point d'interrogation. On a ensuite une description physique de l'évolution de l'univers. Alors, je ne me souviens plus si j'ai des... Ah non, pardon. Alors, il faudrait que je revienne en arrière. Voilà, pardon. Voilà. Donc, avec différentes phases, une phase primitive qui ne durerait que quelques fractions de milliardièmes de seconde, qui serait dominée par des phénomènes quantiques, et c'est là où éventuellement, j'y reviendrai, on aurait besoin d'une description quantique de la gravité. Ensuite, une phase qui dure environ 400 000 ans, d'un très jeune univers, qui ne laisse pas encore échapper la lumière. Ensuite, une transition essentielle au bout de 400 000 ans, en admettant que l'on mette le temps zéro à la singularité initiale, l'univers devient transparent. Aujourd'hui, nous sommes 13,7 milliards d'années plus tard, et grâce au télescope, nous explorons dans le passé cet univers transparent en nous heurtant à ce mur de lumière. Mais surtout, si l'on extrapole, après les équations théoriques de la relativité générale, l'un des problèmes majeurs, c'est qu'on aboutit justement à ce prétendu temps zéro qui serait le début de l'univers et que l'on appelle mathématiquement une singularité, c'est-à-dire, très problématique sur le plan de la physique, on a des infinis qui surgissent de partout. Courbure infinie, densité d'énergie infinie, température infinie. Les physiciens ne supportent pas l'infini, qui échappe évidemment à... Les mathématiciens dont je fais partie adorent l'infini, c'est un outil de pensée absolument prodigieux. La physique tente plutôt d'éviter l'infini, en ce sens que quand des infinis apparaissent dans une théorie de la physique, on pense qu'il faut une théorie qui élimine ces infinis. Comme je le décris dans l'un de mes nombreux ouvrages consacrés à l'infini, l'infini, c'est une sorte de phénix qui renaît en permanence de ses cendres, puisque toute l'histoire montre que chaque théorie qui a éliminé les infinis de la théorie précédente génère de nouveaux infinis, et ainsi de suite. Donc peut-être que l'infini, tout de même en physique, tient une place prépondérante. Mais bon. Après, donc, il y a ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, qu'on appelle le modèle lambda-CDM, c'est le fait que par toute une série de combinaisons d'observations dont je n'ai pas le temps de parler, on sait que l'ensemble de toute la matière lumineuse que nous observons aujourd'hui grâce aux extraordinaires télescopes, Hubble Space Telescope, James Webb Telescope, etc., etc., donc les 1 000 milliards de galaxies lumineuses, avec chacune d'entre elles les centaines de milliards d'étoiles, ne représentent que 1% à peine de ce qui gouverne réellement l'univers. Tout le reste, c'est de la matière ou de l'énergie noire. Alors il y a une partie de cette énergie noire qui est formé comme nous, qui, comme vous le savez, nous sommes poussière d'étoiles, donc comme nous, êtres humains, comme les étoiles et comme les galaxies, de matière atomique ordinaire, la matière qui est classifiée dans le tableau périodique des éléments. Donc c'est la matière noire ordinaire atomique, ça ne représente malgré tout que 4% de l'univers. Donc il manque toujours l'essentiel. Donc pour l'instant, pas de problème. Les problèmes peuvent commencer à émerger avec le fait que donc il y a de la matière noire non atomique, qui représenterait un peu plus du quart, quelle est sa nature, et surtout, l'essentiel, les deux tiers, c'est une forme d'énergie, que l'on a baptisée dark energy, énergie sombre, qui semble être répulsive, puisqu'elle semble être responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc c'est peut-être pour résoudre ces problèmes que l'on a besoin de chercher autre chose, que d'aller en tout cas au-delà du modèle standard, sans le mettre à la poubelle, simplement l'affiner pour éliminer ces points obscurs. Le modèle standard de la physique des particules, lui, est gouverné par la théorie quantique des champs. Il était parvenu à un succès tout à fait extraordinaire, c'était quand même de réduire
les milliers de particules élémentaires apparemment différentes en deux familles, que l'on appelle les fermions et les bosons, donc sans rentrer dans les détails. Finalement, on avait un nombre 6 quarks, 3 leptons, 3 neutrinos, 6 et 3, 9 et 3, 12. Et puis, ce qu'on appelle les bosons, qui sont les interactions fondamentales qui propagent précisément les interactions, le photon pour l'interaction électromagnétique, le gluon pour l'interaction forte, les trois bosons faibles pour l'interaction faible, et le couronnement, c'est le boson de Higgs prédit par Higgs et Engler, les théoriciens, et qui a effectivement été détecté au CERN en 2013. Alors tout ça c'est bien joli, mais vous voyez que le graviton qui est censé, pourrait être la particule qui véhicule l'interaction gravitationnelle, ne fait pas partie. Alors quels sont les défauts du modèle standard, qui par ailleurs est d'une efficacité calculatoire extraordinaire? Ben, c'est que il dépend à peu près d'une vingtaine de paramètres libres. Alors, j'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est qu'un paramètre libre, mais c'est un petit peu gênant parce que quand on a trop de paramètres libres dans une théorie, on peut lui faire dire n'importe quoi. Ensuite, par exemple, le modèle standard prédit que les neutrinos n'ont pas de masse. Or, les expériences récentes montrent que les neutrinos ont une masse. Ça n'explique pas la symétrie de la matière et de l'antimatière et d'autres anomalies que je n'ai pas le temps d'expliquer. Voilà. Donc, y a-t-il peut-être une nécessité d'une théorie de la gravitation quantique qui résoudrait ces problèmes, donc peut-être quantifier la gravité, unifier au mieux, c'est la partie la plus ambitieuse, les quatre interactions fondamentales dans un schéma unique, qui permettrait par exemple d'éliminer les singularités dont j'ai parlé, les singularités gravitationnelles, celles du Big Bang, et puis celles dont je n'ai pas parlé, qui se trouveraient au centre des trous noirs, réduire le nombre de paramètres libres de la théorie quantique des champs, expliquer l'origine de la matière noire non atomique et l'origine de l'énergie sombre, et puis éliminer peut-être le début, le supposé de l'univers, parce que le problème du bord du temps posait des paradoxes de la même manière que quand on imagine un bord de l'espace, il y a des paradoxes du bord, et donc d'imaginer, de commencer à construire des théories possibles d'un avant Big Bang. Alors ça c'est un petit peu, pas pour vous faire peur, mais simplement pour vous dire que la liberté extraordinaire, la liberté d'invention maintenant dans ce qu'on appelle donc la théorie de gravitation quantique, qui nous permettrait peut-être de passer de cette vision, de faire cette transition dont j'ai parlé au début entre l'univers classique décrit par la relativité générale et indépendamment par la physique quantique, pour un espace-temps pleinement quantique. J'ai tenté de résumer ces innombrables approches dans un de mes ouvrages, donc j'ai intitulé « L'écume de l'espace-temps », dont le titre poétique, en fait, est une référence à une magnifique phrase du poète et écrivain Paul Valéry, qui, au début du XXe siècle, a écrit, écoutez bien, tellement que c'est profond, « Les événements sont l'écume des choses, mais c'est la mer qui m'intéresse. » Que fait le physicien d'aujourd'hui ? C'est essayer de comprendre quelle est la nature de la mer qui produit l'écume, qui va nous donner une apparence et une illusion de ce que nous croyons être le réel. Comme vous le voyez sur ce graphique, un petit peu provocant, parce qu'on s'y perd totalement, on voit qu'il y a un grand nombre d'approches. En fait, il y a des dizaines et des dizaines d'approches différentes de la gravitation quantique. Alors, il y a des approches connues, parce qu'elles ont été travaillées par beaucoup. C'est le cas de la théorie des cordes, par exemple, bien entendu, de la gravité quantique à boucle, etc. Et puis, d'autres approches moins connues. J'en ai sélectionné 7 dans cet ouvrage, rassurez-vous, je ne vous en parlerai pas maintenant, qui me semblent particulièrement prometteuses, chacune ouvrant des horizons totalement nouveaux sur la nature peut-être quantique de l'espace et du temps. Et dans tous les cas de figure, ce qu'on appelle l'énergie du vide quantique semble jouer un rôle absolument primordial. Ce qui est fascinant avec la physique quantique, on en parlait ce matin dans la table ronde avec Raphaël, c'est qu'on est dans le non-binaire. Comme vous le savez, par exemple, si je prends le cas des théories de l'information, l'information classique, vous avez un bit 0, un bit 1. Donc on est complètement dans le binaire. Le bit quantique, lui, c'est un espace de phase qui permet d'avoir une infinité d'états possibles entre le 0 et le 1. Donc on a une richesse absolument potentielle, extraordinaire, quand on fait une description quantique, en fait, de
de quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est, c'est-à-dire d'une strate fondamentale peut-être dont tout sortirait. Alors pour certains, cette strate fondamentale, c'est le vide, tout simplement, mais avec son écume bouillonnante, dont émergerait, par exemple, la gravitation, l'espace, le temps. Voilà. Pour d'autres, ce n'est même pas le vide quantique, c'est un réseau de bits quantiques intriqués avec des niveaux d'intrication qui, sur certaines échelles, permettent peut-être de retrouver ou de faire émerger la gravitation, de faire émerger l'énergie noire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, comme le temps passe très vite, je vais terminer avec cette dernière diapositive. Donc, parmi les sept approches que j'estime les plus prometteuses de l'espace-temps quantique, on peut les classifier en fait en deux grandes catégories. Il y a des approches dans lesquelles on continue à avoir, comme en théorie quantique des champs, un espace de fond qui est continu. Donc, c'est le cas de la théorie des cordes et de sa généralisation, à mon avis, trop ambitieuse. Enfin, non, rien n'est jamais trop ambitieux, je me suis mal exprimé, qu'on appelle la théorie M, la théorie des Brahn, et puis d'autres théories moins connues. Et puis on a une approche qui, au départ, m'avait davantage séduite, parce qu'elle était plus issue de la vision relativiste et einsteinienne, d'un espace-temps de fond discontinu. Là, c'est quand même un changement aussi de transition paradigmatique extraordinaire, puisqu'en général, on travaille sur un background mathématique avec des fonctions continues, tout un ensemble de choses. Et là, il y a des approches de gravitation quantique qui supposent qu'il y a l'équivalent d'atomes d'espace, c'est-à-dire des parties d'espace insécables en dessous desquelles on ne peut pas aller, ce qui donc automatiquement élimine les singularités, bien entendu, et peut-être également des atomes de temps, et dont les représentants actuels, les théories les plus prometteuses, sont la gravité quantique à boucle, l'ensemble, les cosettes, je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler, les triangulations dynamiques causales, je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler, et la gravité anthropique. Voilà. Et alors je me suis interrogé en travaillant 10 ans en fait sur l'ensemble de ces théories, un travail considérable pour essayer de saisir en fait quels sont les tenants, les aboutissants, les avantages, les forces et les défauts de chacune de ces approches, qui, je le répète, aucune d'entre elles n'a encore abouti, il n'y a même pas encore d'équation définitive pour aucune d'entre elles, mais bon, ce sont des recherches qui alimentent les recherches. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intermédiaire? L'équivalent finalement d'un espace de temps qui serait flou, ni vraiment continu, ni vraiment discontinu. Et il y a une approche extraordinaire qui est développée par l'un des grands génies mathématiques de notre temps, qui s'appelle Alain Cohn, mathématicien français, origine comme moi de la Provence, mais ce n'est pas ça qui motive ma préférence pour lui. Ça s'appelle la géométrie non commutative. Pourquoi c'est la théorie la plus prometteuse? Parce que moi, en tant que géomètre de formation, au plus on a une géométrie, des modèles géométriques élaborés, au plus la physique qui peut en sortir peut être effectivement puissante. Rappelons-nous, si les géométries non euclidiennes n'avaient pas été inventées au XIXe siècle, Einstein n'aurait pas réussi, avec ses collègues mathématiciens, à formaliser mathématiquement la relativité générale. Il se trouve que le travail d'abord purement mathématique d'Alain Cohn sur des formes de géométrie qu'on appelle les formes non commutatives comprennent comme cas particulier l'ensemble de toutes les géométries non euclidiennes et beaucoup d'autres géométries. Donc potentiellement, ça peut fournir effectivement un substrat mathématique d'une richesse incroyablement plus grande. Et effectivement, à partir des années 1990, Alain Cohn a commencé à s'associer à des chercheurs en physique des particules pour le modèle standard et à des cosmologistes pour le modèle standard de la cosmologie et à construire une proposition qui est encore en cours de travail d'un espace-temps non commutatif dont une partie va donner la relativité générale avec des corrections éliminant les problèmes de la relativité générale classique actuelle et une autre partie va donner le modèle standard des particules élémentaires en éliminant les défauts, c'est-à-dire en donnant une masse et un neutrino, en expliquant la matière, la symétrie matière, antimatière. Et voilà, donc pour la première, je répète, c'est une préférence que j'ai à la fois mathématique, mais également esthétique, qui ne garantit pas que ce soit l'approche finale, puisque certains physiciens pensent aujourd'hui que peut-être on n'arrivera jamais à trouver une théorie unique, parce que peut-être que la gravitation ne peut pas être résolue de la même manière que les autres interactions fondamentales. Donc la question reste totalement ouverte. La transition que nous essayons de faire, il n'est même pas évident qu'elle aboutisse. J'aimerais vivre encore quelques années
pour voir ces idées extraordinaires qui sont développées un peu partout dans le monde, avec des esprits extrêmement brillants, et qui explorent des voies avec cette liberté d'invention, pour voir ce que c'est devenu, ce que ce sera devenu. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Jean-Pierre Luminet, de nous avoir développé ces voies vers l'espace-temps quantique. Je suis sûre qu'il y a plein de questions dans la salle, donc nous allons offrir la possibilité à l'audience de poser des questions. Oui, j'en vois déjà au milieu et sur la droite. Si on peut avoir un micro, s'il vous plaît, juste là, au milieu, et puis on reviendra vers vous, cher monsieur. Merci, cher Jean-Pierre Luminet, pour cette superbe communication. Je m'attendais à voir des images du télescope Webb, des galaxies, parce que d'habitude, quand on regarde vos travaux, vos présentations, on voit toujours de très belles images. Vous avez été très sobre cette fois-ci. Alors ma question va être aussi très sobre. Le travail que fait Cohn sur les géométries non commutatives, qui donc fournit un cadre mathématique dans lequel on peut mettre tout ce qui est déjà là, du point de vue physique, est-ce que c'est pas similaire à ce que fait Wolfram, qui était ici pour Science Week, la troisième édition, dans son travail métamathématique, etc., où il dit, voilà, j'ai un modèle mathématique dans lequel je retrouve la quantique, gravité, etc., etc. Merci. Merci pour cette excellente question. Alors, pour la première partie de votre remarque, c'est vrai, j'avoue, exceptionnellement, j'avais décidé aujourd'hui de rester sobre, c'est-à-dire de ne pas montrer les extraordinaires images que j'ai l'habitude de montrer du cosmos, qui font rêver. Mesure du temps restreint dont nous disposons, je voulais poser quelques bases essentielles. Ceci dit, ce ne sont pas les observations, les images extraordinaires venues du James Webb Télescope et d'autres télescopes qui vont apporter des solutions aux problèmes plus fondamentaux sur la quantification possible de l'espace et du temps. Après, pour la seconde question, oui, vous avez raison, effectivement, Stephen Wolfram a fini par développer, après tout le travail qu'il avait fait, évidemment, précédemment. Il m'avait d'ailleurs contacté il y a une dizaine d'années pour essayer de développer une collaboration pédagogique autour des structures dodécaédriques que j'avais utilisées moi-même dans certains modèles décrivant la forme possible de l'espace. Je n'avais pas eu le temps d'interagir avec lui. Et donc, effectivement, depuis, il développe également une approche, qui peut ressembler à la géométrie non commutative, mais bon, qui n'est pas fondée... Voilà, ça part de la même idée générale, ce n'est pas fondé sur les mêmes mathématiques, mais c'est vrai que c'est une approche extrêmement intéressante et qui, pour l'instant, malgré tout, me semble-t-il, n'a pas encore fait ses preuves dans la communauté des chercheurs en gravité quantique. Mais là aussi, il ne faut pas s'en étonner, parce qu'il y a aussi une forme de... Même si on est en période de transition... Figurez-vous qu'il y a des mini-paradigmes. Donc il y a le mini-paradigme de la théorie des cordes, il y a le mini-paradigme de la gravité quantique à boucle, etc. Et même beaucoup de ces chercheurs-là ne sont pas ouverts aux autres approches. Par exemple, je décris notamment dans mon livre sur l'écume d'espace-temps dont j'ai parlé, le fait comment les chercheurs en théorie des cordes, parce que c'est eux qui, dans les années 60, sont à l'initiative de grands physiciens comme Witten et d'autres, David Gross, etc., ont commencé à développer cette magnifique théorie, partant d'idées absolument fascinantes, voilà, et empêcher le développement, ont bloqué le développement d'approches alternatives pendant plusieurs décennies, pendant trois décennies. Hein, voilà. Donc il y a aussi ces mini-crispations. Donc pour l'instant, effectivement, à ce que j'ai cru comprendre, les thèses de Wolfram ne sont pas encore vraiment, ne font pas partie du grand courant des travaux qui se font autour de la gravitation quantique. Oui. Merci, Monsieur Luminet. On va prendre une deuxième question, là, sur la droite, puis on reviendra vers vous. Merci, Monsieur Jean-Pierre, pour votre présentation. So, I would like to follow up on the question that Fouad has asked about the nice and beautiful pictures that we miss in your slides. And my question is, back to the slide we talked about, the true shift of paradigm that you were talking about in the history. So my question is, can we today, with the revolution or technological and the spectroscopic revolution that we have today, can we talk about a new paradigm that we can see of this nice picture on this big project that we are looking at today?
including the James Webb Telescope and including the science or the space exploration that we have today. We are talking about the mining in asteroids. We are talking about the exploration or looking for life beyond the Earth. Now we can look at the atmosphere of the exoplanet. This is a new revolution happening in the last decades, which is that we have in technology, especially for looking in the space and looking in this big questions that we still did not understand. And also talking about the new picture of the black hole that we got recently. So cannot we consider or talk today about a new paradigm that we are entering in, a new era that we are getting into, that we can talk about in the future, that we bring the technology to answer this question that we have been lacking since long time ago. Merci. Alors, je suis navré de vous dire que bon, j'ai quelques problèmes d'audition qui me permettent, enfin, qui m'ont pas permis de comprendre la totalité de votre remarque. Mais comment dirais-je, je semble avoir quand même saisi quelques aspects. Alors évidemment, on a aujourd'hui des instruments tout à fait extraordinaires. On parle du James Webb Télescope, le télescope Euclide qui vient d'être lancé, toute une armada de télescopes dans tous les domaines de longueur d'onde. Pour moi d'ailleurs, l'innovation technologique la plus importante de ces dernières années, ce sont les nouveaux détecteurs d'ondes gravitationnelles, les fameux interféromètres gravitationnels qui ont ouvert une fenêtre nouvelle qu'on appelle l'astronomie gravitationnelle et qui pour moi représentera dans l'histoire de l'astronomie un changement instrumental, technologique, une innovation technologique aussi importante que la lunette de Galilée 1610, en ouvrant effectivement une nouvelle fenêtre sur l'univers. Je ne suis pas certain, sauf peut-être justement pour les ondes gravitationnelles, je ne suis pas certain, même je ne pense pas, que les observations incroyablement fines et profondes et merveilleuses du James Webb Télescope permettent de nous faire avancer dans les questions les plus fondamentales sur la nature la plus profonde de l'espace et du temps. En fait, ces nouvelles observations que nous avons nous amènent à réfléchir sur les modèles standards que nous avons, qui ne pour l'instant, contrairement à ce que souvent annoncé dans la communication scientifique toujours très spectaculaire, qui veut absolument toujours faire des scoops en disant ça remet en cause le Big Bang, ça remet en cause les trous noirs, ça remet en cause ceci, cela. Au contraire, ces observations-là ne font que consolider les modèles. Mais pourquoi ça les consolide? Parce que ça permet de les approfondir sans sortir vraiment du paradigme. Et je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous répondre s'il y aura des innovations technologiques. Je ne crois pas du tout que l'intelligence artificielle, qui certes va nous donner des moyens de calcul extraordinaires pour analyser les big data dont nous avons besoin, va être capable également de résoudre ces problèmes. Tout simplement pourquoi? Parce que tout cela, c'est algorithmique. Et ce que nous recherchons dans la théorie quantique de la gravité sort de notre imagination qui n'est pas algorithmique. Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Luminet. Nous avons une question juste là, deuxième rangée. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aurais une question pour ceux qui n'ont pas la chance d'être physiciens dans le public. Puisque vous évoquez donc des transitions en termes de paradigmes et de représentations, de modèles scientifiques, mais j'aurais voulu savoir si vous pouvez donner un exemple concret où vous, durant vos travaux, vous avez pu faire une observation ou dans le cadre une observation ou une lecture qui vous a permis vous-même de changer de paradigme ou de représentation mentale sur certains phénomènes. Mais de trucs oui. Concrets. Merci de poser cette question. Oui, alors c'est vrai que dans mon travail de chercheur sur une période de 45 ans, heureusement, le chercheur qui s'interroge est en interrogation permanente et prêt à remettre en cause en permanence le paradigme dans lequel il travaille. Alors, le travail que j'ai fait, qui a été mentionné au début, de façon aimable, sur les trous noirs, donc en 1978, j'ai été effectivement le premier à faire un calcul mathématico-physique de l'apparence qu'aurait un trou noir vu de près ou avec une résolution télescopique extraordinaire, un trou noir entouré d'une certaine structure lumineuse en tenant compte de toutes les propriétés prévues par la relativité générale. Donc je ne sortais pas du paradigme. Certes, c'était une époque où on ne croyait pas encore, où les astronomes, il y avait déjà une théorie des trous noirs bien avancée par les grands, John Wheeler,
Stephen Hawking, Roger Penrose, Raymond Carter, mon directeur de thèse de l'époque, etc. Mais la crédibilité astronomique était extrêmement faible. Nous n'avions que des indications extrêmement indirectes de l'existence possible de trous noirs dans notre univers réel. Et ce que j'ai fait en arrivant à l'Observatoire de Paris en tant que mathématicien, une sorte de défi que je me suis lancé, de calculer réellement à quoi ça devrait ressembler le jour où on aurait peut-être les instruments capables de le faire. Et donc j'avais simplement imaginé une sorte de plaque photographique virtuelle placée à une certaine distance d'un trou noir entouré d'une structure gazeuse et en intégrant les trajectoires des rayons lumineux dans l'espace-temps courbé par la géométrie du trou noir et tout un ensemble de phénomènes physiques appartenant au disque d'accrétion lui-même, la structure lumineuse autour. J'avais donc fini par réaliser et publier effectivement cette image de trou noir. Ce n'était pas un changement de paradigme, simplement c'était pour la première fois en montrer une image de l'objet par définition invisible et donc donc, comme l'a été aimablement rappelé, 40 années plus tard, inspiré en grande partie par ce travail initial, des centaines de chercheurs du monde entier se sont associés pour former un réseau mondial de télescopes qui ont permis effectivement de faire la première image télescopique d'un trou noir dont j'avais prédit l'existence 40 années auparavant. Dans une autre partie de mon travail, je pense plus en rupture, un travail concernant la cosmologie. Je me suis intéressé dans les années 90 à la forme possible de l'espace. Et là, de par ma formation de géomètre, c'est là où j'ai tenté d'incorporer, en m'associant d'ailleurs avec l'un des plus brillants géomètres actuels, qui s'appelle Jeffrey Wicks, un élève du célèbre Bill Thurston, médaille Fields de mathématiques, travaillant sur des modèles d'espace qu'on appelle les modèles d'espace multiconnexes, enfin je ne veux pas utiliser de termes techniques, appliqués à la cosmologie, c'est-à-dire pour décrire la forme de l'espace cosmique réel, avec petit changement de paradigme, c'est-à-dire que l'espace réel dont nous essayons de reconstituer la forme, dont on pense généralement en première approximation qu'il est infini, ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Et justement, en important toutes les subtilités des géométries à la fois non euclidiennes mais multiconnexes, on apporte une richesse extraordinaire sur la modélisation de l'espace. Et c'est comme ça que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur ce que j'appelais les modèles d'espace chiffonnés, qui ont apporté effectivement une certaine rupture épistémologique dans le rapport que nous avons à l'interprétation à travers les observations astronomiques essentiellement fondées sur la lumière, sur la forme réelle de notre espace, qui m'a permis donc de proposer des modèles d'espace bizarres, d'espace finis, sans bord, avec des connexions multiples qui créent des sortes de mirages globaux topologiques, appelé donc les espaces chiffonnés, et qui au bout de 15 ans de recherche qui avait suscité l'incrédulité dans ma communauté, les observations, ce qu'on appelle le rayonnement de fond en 2003, m'ont permis de proposer un modèle particulier qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré pour la forme de l'espace. Je me souviens, à l'époque-là, on avait fait la une de la revue Nature, et à partir de là, des centaines de chercheurs se sont mis à travailler sur ce domaine-là. Ça, c'est ma petite contribution à un petit changement de paradigme. Ça ne remettait pas en cause le modèle standard de Big Bang, mais l'interprétation que nous faisons, sur l'interprétation standard que nous faisons, que nous faisions sur la forme de l'espace interprétée à travers les rayons lumineux que nous recevons. Et merci de nous avoir partagé cela. Merci d'autres beaucoup. Questions dans la salle ? Oui, n'hésitez pas, hein, c'est quand même une opportunité exceptionnelle et toute question nous permet d'approfondir notre compréhension, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je voudrais demander quel est encore l'effet de l'idée de John Archibald Wheeler, la pré-géométrie. Parlez plus près, s'il vous plaît, du micro. Donc, l'idée de John Archibald Wheeler de pré-géométrie, l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore de la géométrie, mais dont peut émerger la géométrie. Et je demande en particulier, en vue de la non-localité de la mécanique quantique, il semble qu'il y a quelque chose dans la mécanique quantique qui n'est pas encore l'espace, qui n'est pas localisé, mais dont émerge l'espace-temps à un niveau plus
élevée. Donc la pré-géométrie, quelque chose qui est avant la géométrie et qui pourrait peut-être expliquer la non-localité. Très profonde question qui ramène à une grande question mathématique qui a notamment été posée dès le début du XXe siècle sur la géométrisation. Est-ce qu'on peut réellement entièrement géométriser la physique ? Et là, pour l'instant, de ce que j'en ai parlé, je faisais le pari que tout pouvait se réduire à la géométrie. Alors c'est vrai que j'ai une vision un petit peu platonicienne, hein, que nul n'entre ici pour l'académie, que nul n'entre ici si elle n'est géomètre. Mais vous avez tout à fait raison, on peut imaginer et on imagine certaines approches qui ne seraient pas géométrisables. Alors peut-être la physique quantique peut proposer, mais encore, qu'est-ce qu'on appelle géométrisation ? Par exemple, l'une des approches que j'ai décrit dans mon livre, qui s'appelle la gravité anthropique ou la gravité émergente, part de l'hypothèse assez fascinante que la strate ultime de l'espace et du temps, c'est un réseau de bits quantiques intriqués, j'en ai dit un mot très rapidement au début, dont les niveaux d'intrication vont finir par faire émerger l'espace, faire émerger le temps, faire émerger la gravité, les interactions fondamentales, d'une certaine manière, dans des strates d'organisation intriquées les unes entre les autres, etc. Voilà. Mais d'une certaine façon, c'est une forme de géométrisation. On a un réseau discrétisé de bits quantiques, où effectivement, tous les mystères de l'intrication quantique sont là, enfin, les mystères ou pas, sont là. Mais est-ce que... de ce que j'en comprends, il y a une géométrisation possible de cela, mais je n'en suis pas sûr. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de questions. Rapprochez-vous, rapprochez le micro s'il vous plaît, on ne vous entend pas très bien d'ici. D'accord. Donc on sait que le photon, il est expérimental. Est-ce que vous êtes où ? Toujours. Pardon. Donc le photon est une particule quantique qui a été approuvée expérimentalement depuis longtemps, mais lorsqu'il s'agit du graviton, donc de nombreuses tentatives ont été faites, mais le graviton il n'a été ni observé ni bien théoriquement cerné. Donc à votre opinion, donc quel est l'obstacle majeur qui empêche cette découverte et maîtrise de cette théorie quantique de la gravité ? Merci. Oui, alors effectivement le photon a été le premier candidat pour, en tant que boson propagateur d'une interaction fondamentale, qui est donc l'interaction électromagnétique. Effectivement, les travaux de Louis de Broglie, enfin, les physiciens quantiques, de Dirac, etc., ont effectivement consisté à quantifier à partir de le photon lui-même. Einstein, d'ailleurs, c'est le premier, le prix Nobel. N'oublions pas que le prix Nobel de physique attribué à Einstein en 1921, ce n'était pas du tout pour ça. Un incroyable. Génial, la théorie de la relativité générale, c'était pour effectivement l'introduction du photon, pour expliquer le mystère du corps noir et ce genre de choses. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, lorsque l'on a découvert deux autres interactions fondamentales que ne connaissait pas Einstein, c'est-à-dire l'interaction forte et l'interaction faible, qui elle n'agit qu'au niveau des atomes, on a mis d'abord théoriquement en place l'idée de boson, c'est-à-dire de particules véhiculant, donc j'en ai parlé, il y a les gluons pour l'interaction forte, et puis les bosons pour l'interaction faible, couronner tout cela par le boson de Higgs-Engler, voilà. Et il y a le problème, effectivement, du graviton, je l'ai brièvement mentionné dans un de mes transparents. Et le problème, c'est que lorsqu'on essaie d'utiliser les mêmes outils de quantification, qu'on appelle en fait techniquement la renormalisation, qui avait rencontré un succès pour arriver à quantifier les trois interactions ordinaires autres de la gravitation, que la gravitation, quand on essaie d'appliquer ces mêmes techniques au graviton, eh bien de par le caractère auto-accélérateur de la gravité, on aboutit à des infinis. On n'arrive pas à renormaliser la gravité. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, toutes les tentatives de renormalisation de la gravité ont échoué. Alors vous avez raison, s'il y a, comme l'avait proposé Richard Feynman, si on peut réduire la gravité à une théorie quantique des champs, plutôt que de réduire les champs à une théorie géométrique de la matière et de l'espace-temps, eh bien, il y a une particule, qui est le boson de la gravité, qui s'appelle le graviton. On ne l'a jamais détecté, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Par exemple, l'onde gravitationnelle, puisqu'on les détecte. Ben, c'est l'onde gravitationnelle, c'est sur une onde, il doit y avoir une dualité onde-corpuscule. Et simplement,
dans la plupart des interactions électromagnétiques, on peut mettre en évidence, tantôt dans certaines expériences, l'aspect corpusculaire de la lumière, et tantôt dans d'autres expériences, l'aspect ondulatoire. Et parfois, d'ailleurs, un mélange des deux. Bon. Le problème avec le graviton, c'est que c'est la faiblesse extraordinaire de l'intensité de l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle est de l'ordre de 10 puissance 40 fois plus faible que l'interaction électromagnétique ou que l'interaction forte. Et cette faiblesse absolument extraordinaire de l'intensité gravitationnelle empêche, en tout cas pour l'instant, la mise en évidence expérimentale du graviton, qui reste donc une particule hypothétique, avec effectivement des idées théoriques tout à fait fascinantes, mais pour l'instant, le graviton échappe à nos instruments. Merci. Nous avons une question ici, Raphaël Liogier. C'est juste une toute petite question, mais je ne voudrais pas faire baisser le niveau qui est monté très haut. Je me demande si aujourd'hui on n'arrive pas à un moment où chacun y va de sa vision du monde. Sa vision du monde pour exprimer de façon cohérente ce qu'il estime pouvoir être l'origine de l'espace et à la fois l'origine du temps. Par exemple, ce que tu as évoqué tout à l'heure, ceux qui sont dans une vision plus géométrique, qui ont une vision, qui a une imagination, si je puis dire une imagination géométrique, vont vouloir donner une interprétation géométrique. Absolument. Ceux qui ont une vision intelligence artificielle, ce que tu as décrit il y a une seconde, je me souviens plus comment tu l'as appelé. La gravité émergente. Voilà, la gravité émergente, c'est typiquement une vision informationnelle, c'est-à-dire que ça émergerait, c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle la physique digitale. Qui disent, en fait, l'univers, c'est un jeu avec, donc comment est né ce jeu, etc. Et donc, je crois qu'on est dans un moment d'ouverture extraordinaire avec des gens qui ont des visions et qui essayent d'imposer une vision, finalement, qui est la leur, géométrique ou informatique. Et ce que j'ai appelé, effectivement, dans l'un des chapitres de cet ouvrage, la liberté d'invention de la gravitation quantique, montre effectivement cette multiplicité d'approches. Alors, heureusement, il doit y avoir actuellement milliers de chercheurs, c'est-à-dire de physiciens, théoriciens fondamentaux qui travaillent sur ces questions-là. Heureusement, il n'y a quand même pas 1000 approches différentes. Il y a des écoles. Une école principalement regroupée, ce qu'on appelle les cordistes, puis après d'autres écoles ont réussi à se développer. L'approche, l'école liée à la géométrie non commutative, dont j'ai fait l'éloge à la fin, se réduit simplement pour l'instant à une vingtaine de chercheurs, pas plus, ce qui paraît rien par rapport aux 500 chercheurs qui travaillent sur la théorie des cordes. Mais voilà, donc c'est cette diversité d'approches qui est absolument. Pour moi, c'est une. En fait, c'est enthousiasmant de voir justement, ça veut dire que l'on cherche, que l'on ne sait pas et que l'on cherche, mais on cherche dans plusieurs voies différentes. Et puis, si on n'arrive pas à trouver dans une voie, on aura acquis quand même des outils pour explorer cette voie qui vont être utilisés dans d'autres voies. Je suis sûr, par exemple, que les idées de Wolfram utilisent certains des outils qui ont été développés initialement, des outils mathématiques qui ont été développés pour explorer les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes avec les espaces de Calabio ou les géométries discrètes utilisées dans la gravité quantique à boucle, peut-être même une partie des éléments non commutatifs. Et peut-être qu'un jour, mais ça je ne sais pas, il y aura j'aime pas trop l'homogénie, mais un esprit ouvert sur toutes ces approches-là qui arrivera à synthétiser ces notions-là pour avoir une théorie plus profonde qui ne sera jamais définitive. Je ne crois pas du tout à cette idée extrêmement naïve d'une théorie de tout qui dirait tout sur tout. Pour moi, c'est une naïveté extraordinaire, mais toujours creuser davantage. C'est ça qui donne le sens. Pour moi, la quête du sens du chercheur, c'est cela, creuser davantage dans la nature profonde de ce que c'est l'espace, de ce qu'est le temps, de ce qu'est le vide, de ce qu'est la matière. Et c'est une magnifique transition avec la session qui suit. Un tonnerre d'applaudissements pour M. Jean-Pierre Lhumy. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.
pour votre présentation. C'était un plaisir de vous avoir et un honneur aussi. On vous invite à nous rejoindre dans l'audience. Nous allons poursuivre dans quelques instants avec une très belle session, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la transition des humanités. C'est une session que vous êtes nombreux à attendre, que nous attendons nombreux. Et alors,